Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une vidéo où est-ce qu'on va essayer de faire un peu de tir à la 338 la Pua Magnum Discount. Alors le discount sur du 338 c'est toujours un petit peu cher malgré tout, mais on est très clairement sur du très entrée de gamme pour du 338. Pourquoi ce genre de test? Bah, tout simplement parce qu'il devient compliqué de se fournir dans nos composants habituels de rechargement, tout a explosé en termes de tarifs, et que pour tirer sur des gongs à 600, 800 et 1000 mètres, je n'ai pas besoin de tirer des burgers Elite ou des burgers hybrides, etc. qui vont coûter 1,30€, 1,40€ pièce le projectile. Quand on rajoute la poudre, l'amorce, les tuyaux, etc., on peut très très vite dépasser les 2,50€ la munition en 338, ce qui est pour moi inabordable en ce moment. Il y a d'autres priorités et la maison passe largement avant ça. Donc l'idée étant en fait, de faire des essais avec des munitions beaucoup plus low cost. Je ne sais pas trop à quoi m'attendre. Donc là on est sur des projectiles partisans, donc c'est du PPU 250 grains match. Alors attention, un match avec PPU, il faut prendre ça avec des pincettes. C'est la dénomination commerciale. C'est des étuis Ruag achetés d'occasion, qui avaient déjà été tirés une fois. On est sur de la poudre RS70, c'est pas forcément la meilleure poudre pour ça, mais c'est la poudre que j'avais sous la main, donc c'est forcément la meilleure poudre. C'est la meilleure poudre en ce moment, et la meilleure amorce, c'est celle qu'on est capable d'avoir dans les tiroirs. Amorce fédérale Gold Match 215M, et donc quand on fait le cumul de tout en termes de prix, je touche les projectiles aux alentours de 35 centimes pièce. L'étui, c'est 1€, mais on va le tirer 10 fois, donc ça fait 10 centimes l'étui par coup. La poudre, 5 grammes, environ 10 centimes le gramme en ce moment, 50 centimes. Et l'amorce, alors les amorces, c'est difficile de leur donner un prix vu que tellement c'est en train d'exploser en termes de tarifs. Mais néanmoins, moi, quand je les avais achetés, j'étais plutôt aux alentours des 70€ le 1000, donc 7 centimes l'amorce. Quand on additionne tout, on tourne aux alentours d'un petit 1€ la munition, ce qui rend ça quand même très abordable pour du 338 la Pua Magnum quand on compare aux personnes qui tirent du 308 manufacturé, que ce soit du GGG ou autre marque. Dès qu'on veut de la qualité un peu supérieure, de la qualité match entre guillemets, on va quand même plutôt se retrouver aux alentours des 1,50€, 2€ la munition. Là on tire du 338 moins cher que du 308 manufacturé, donc c'est quand même suffisamment intéressant d'un point de vue financier pour tenter l'expérience. J'ai déjà fait quelques essais très rapides avec 5,2 g de RS70, j'avais des vitesses aux alentours des 845 mètres par seconde. Les écarts-types étaient excellents, j'avais des écarts-types qui étaient toujours entre 1.5 et 2.5, donc c'est vraiment très très bien. Les groupements en cible étaient moyennasses, pas terrible terrible. Donc l'idée d'aujourd'hui, c'est qu'on va continuer un petit peu mes essais. Je suis resté sur la charge de 5,2 g de RS70, par contre, je vais jouer sur l'enfoncement pour essayer de gagner en groupement. Voilà, bon, on va parler très rapidement de la carabine parce que vous ne la connaissez pas forcément, j'en ai pas vraiment parlé encore sur les réseaux, enfin surtout sur YouTube, vous l'avez entrevu dans la vidéo sur Chaitac. Bon voilà, hein, c'est une Scorpio, Vitrix Scorpio, tout ce qu'il y a de plus standard. Je lui ai monté un réducteur de son ATEC PRS, merci à Jordal de l'armurerie Haute qui me l'avait fourni à l'époque. On a ensuite un bipied Atlas, j'ai un petit vulgaire de point rouge sur le côté pour pouvoir plus facilement régler mon bipied. J'ai une lunette ETR de chez Athlon. Donc la carabine est équipée d'une petite poignée, c'est très pratique pour le transport. Vous remarquerez que j'ai une sangle avec, puisque je chasse un tout petit peu avec. Je chasse avec des 300 grains Burger Elite Hunter qui envoient du pâté. Très franchement, c'est assez impressionnant les performances terminales de cette munition. Et puis voilà, donc ensuite on est sur une carabine qui est extrêmement fluide. Hein. La culasse est d'une fluidité. Voilà, c'est Vitrix sur la fluidité des culasses, on peut dire tout ce qu'on veut. La fluidité, c'est leur domaine. Donc on est sur une culasse qui est équipée de 6 tenons en tête. On a ici, en cas de perçage d'une amorce pour éviter de se prendre les gaz dans la gueule, on a des perçages d'évacuation des gaz. Ça évite de tout prendre en pleine tête. On est sur un chargeur double stack en 338 la Pua Magnum avec 10 munitions dans le chargeur. Bon, ça c'est super le double stack parce qu'en fait on est capable d'alimenter le chargeur d'une simplicité incroyable quoi. Les 10 munitions, si vous n'êtes pas trop manchot, normalement en 15-20 secondes vous avez réussi à mettre toutes les munitions. Ça feed super bien, hein. Les munitions montent toutes seules. Voilà, c'est pas mal. En plus de ça, le chargeur de la Scorpio, il accepte des LHT jusqu'à 97 mm. Donc on est capable de sortir un peu plus le projectile que la norme CIP, tout en conservant l'alimentation au chargeur. Donc là, en l'occurrence, vous voyez, les rechargements que j'ai fait là, ils passent dans le chargeur, donc c'est très bien.
Donc du coup, ce que je vous propose, c'est qu'on va faire quelques tirs. Ces tirs, on va les faire à 100 mètres dans mon stand habituel. Je garde ma charge 5,2 g, je vais jouer un petit peu sur les enfoncements. L'objectif de la séance, ça va être d'avoir des groupements qui vont tourner aux alentours de 3 quarts de minute. Voilà, c'est déjà pas mal, c'est suffisant vu les performances balistiques du 338. Et avec des écarts types aux alentours de 1,5, 2, 2,5, dans cette zone-là, moi ça me plaît bien. L'idée étant en fait que cette charge-là, à pas cher, me serve à m'amuser sur du gong entre 600 et 1000, 1200 mètres sans que je me ruine. Je garde mes burgers et mes Sierra et compagnie pour une future carabine, je pense, puisque le canon de 26 pouces, cette Victrix, ne permet pas hein, simplement de valoriser comme il se doit le 338. C'est un peu lent, hein. Et donc pour faire des compètes ou bien pour être performant sur du TLD, on va quand même favoriser un canon en 28, 30, 32 pouces. Là, c'est short, quoi. C'est plutôt une carabine qui va être plutôt orientée sur du tir tactique et beaucoup moins sur du tir TLD compétition tel qu'on a quand même tendance à le pratiquer en France. Allez, on est parti. Je vois déjà les trois premiers coups. J'ai vu. T'as vu ça? Ouais, c'est pas mal. Putain, mais c'est du partisan quoi. C'est 30 centimes le projectile. C'est dingue. Puis les vitesses 845, 844, 844, 845. Nickel. Y a pas mal. Je crois que je vais pas avoir beaucoup à travailler la charge. Sur 43. Allez, il en reste une. Bon, bah, quand tu tires trop cher comme point de départ, c'est pas mal. Bon, les premiers essais. 1,8 écart type. Des essais, tu sais, en mettant en pression le bipied. Ouais, t'as vu la différence? C'est incroyable. Au-dessus, en dessous, rien qu'en pression sur le bipied. Ouais, mais la tension qu'on met sur le bipied, c'est un élément prédominant sur notre régularité. Je commence à bosser là-dessus, franchement. Ok, c'est moins dans les comme enfoncement. 75-80. Tu les as plus enfoncés là? C'est les premières en fait, celles-ci elles sont. C'est celles qui sont le plus sorties. D'accord. C'est un peu moins bon. Donc 75-80. En enfoncement, ça groupe moins bien. Une vitesse moyenne de 800.
Pas mal ça. C'est le troisième là. Ouais, c'est. Tu vois le triangle là. Bon, faut que j'en fasse deux de plus à cette profondeur là pour confirmer que ça marche bien. J'en ai fait que trois. Oh merde. Et bah, c'est les étuis qui s'envolent. Il y en a une qui est basse, mais je pense qu'il y en a une partie, c'est de ma faute. Je suis exclu celle du bas. Ça doit faire 2 cm, je pense, à vue de nez. Premier groupement, 1.8 d'écart type sur 5 coups. Deuxième groupement, 2.5 sur 4 coups. Troisième, 1.7 sur 5 coups. Et ben voilà, pour moi c'est amplement suffisant ce que je viens de faire. Donc là vous voyez, tir assez rapide. J'ai tiré en quoi? En 1 minute 30, là même pas. J'ai pour ainsi dire tous mes coups qui se touchent. Les écarts types, on va regarder, mais ça doit pas être trop mauvais. Ouais, écart type à 2,3 mètres par seconde. Donc voilà, pour moi la mission est accomplie. Donc la recette que je vais valider pour faire du TLD à pas cher avec cette carabine, 5 g 2 de RS70, on va ensuite les enfoncer, on va mettre des PPU match 250 grains, enfoncer à 75,60 en profondeur. Donc j'ai des écarts types aux alentours des 2, 2,5 mètres par seconde. Et puis on se retrouve avec des groupements là. Alors là le dernier, il faudrait que je le mesure exactement en cible. Hein. On va les mesurer ça. Hein. Mais bon, à vue de nez... Vigné, c'est 2 cm. Avant d'aller à la cible, je voulais faire un comparatif. Parce que là, du coup, ce que je tire, c'est de la munition cheap, entre guillemets, dont le dernier groupement est pas mauvais. J'ai pas encore été chercher la cible, j'ai pas encore été le mesurer. Mais on va comparer ça à ce que nos forces tirent. Nos forces tirent ceci. Ils tirent bah, tout simplement ces munitions-là en 338 l'appui à Magnum. J'ai eu la chance d'avoir une boîte, alors on va la tirer très précieusement. Parce que je pense pas que j'en aurai encore, parce que c'est quand même assez rare que ce genre de munitions sorte des forces de l'ordre, hein, tout simplement. Donc déjà on va essayer d'ouvrir cette boîte en carton là, et puis on va voir ce que ça donne dans la Victrix. Donc là c'est typiquement ce qu'ont tendance à tirer nos forces de l'ordre. Oh là là, oh, c'est bien pour la planète ça, tout ça. Tout ça de carton, de plastique. Ah là là, bon, c'est pas comme si on était à ça à dire. C'est beau. Hein. Donc voilà, on va, pour comparer les résultats des PPU, bah, tirer 5 munitions. Bah, tout simplement, hein, c'est de la Lapua Magnum BOELT. Voilà. Alors je donnerai pas de numéro de lot ni quoi que ce soit pour des questions logiques. Mais on va bien voir ce que ça donne. Hein. Donc, c'est des munitions standards, hein, vous voyez, c'est de la FMJ, tout ce qui est de plus classique. On va voir en termes de groupement ce que ça peut donner en comparaison avec les partisans à pas cher. Donc vous voyez la facilité pour charger
pour charger le chargeur avec du double stack. C'est vraiment un bonheur le double stack pour ça. Déjà ça mouline. Hein. 870. 876. 881. Ouais, elles sont chaudes. Hein. Elles sont chaudes parce que pour lever le levier, c'est lourd. Hein. Bon, après, il fait chaud. Hein. On est en période de canicule, là. Ils annoncent 42 degrés cet après-midi. Je sais pas à combien on est, là, mais on est au moins déjà à 30, un bon 30. Putain, elles sont chaudes. Hein. Bon, le groupement est pas mauvais. Hein. 883. Par contre, elles sont chaudes. Waouh, par contre, le chargement, il est vraiment pas terrible. Hein. Ça groupe, mais putain, niveau vitesse, c'est pas terrible. Que je vous fasse un zoom en direct. Donc voilà, vous voyez les 5 coups qu'on a tirés. Vitesse moyenne 878. Par contre, on a un écart type à 5,6 mètres par seconde. Hein. Donc on a quasiment entre 2 et 3 fois mieux avec les partisans. On va maintenant aller regarder les groupements. Bon voilà, on a fini la séance. Voilà les quelques résultats. Globalement très satisfait. Franchement, je ne m'attendais pas à voir des résultats pareils pour des projectiles si peu chers, si abordables en 338. Le premier essai 75-60 était vraiment pas mauvais. Simplement, le canon était nickel. Ok. Bon, ensuite, j'ai fait 75-80 en termes d'enfoncement. Moins bon, hein, 29 mm. Ça m'a pas trop plu. Donc ensuite, bah, du coup, j'ai essayé plus enfoncé. 75-40. Comme ça, vous voyez, 80, 60, 40. Y a du mieux, je trouve, malgré ce flyer-là qui est plutôt dû à mon lâcher, je crois. Je me suis pas senti très à l'aise derrière la carabine au moment où j'ai lâché celle-là. J'ai donc du coup réessayé à 75-40 ici, encore une fois, il y a une mine qui sort du groupe là. Donc là on est à 24 mm. Bon, puis après je me suis dit, ouais, mais finalement Jérémy t'es un peu bébête quand même, parce que le groupement là était pas mauvais, mais ton canon était propre de chez propre de chez propre. Donc décarboné, décuivré, nettoyé à blanc de chez à blanc. Donc je me suis dit, bon bah maintenant que le canon il a quand même quelques coups dans la tronche, on va pouvoir réessayer 75-60, parce que là tu sais pas trop ce que ça donnait. Et j'ai bien fait, parce qu'en réessayant 75-60, bah là j'ai un groupement qui fait 15 mm. J'ai une vitesse à 845 mètres par seconde, un écart type à 2,4. C'est le même chargement ici m'avait donné un écart type à 1,8. Donc là, pour moi, la mission est remplie. Voilà, on a des groupements là, c'est une demi-minute presque. Hein. C'est vraiment pas mal hein, pour des munitions si peu chères. Une demi-minute quand là on est à 2/3 de minute. Donc voilà, franchement, c'est hyper acceptable pour moi. À 1€ la munition en 338, franchement, faut pas demander grand chose de plus. Et donc en comparaison, j'ai tiré donc les fameuses munitions qui sont utilisées chez nos forces. Celle-ci, donc il m'en reste 5 que je vais essayer de tirer bon, là après je pense. Et donc ça sort beaucoup plus vite, hein. Donc ça c'est de la 250 grains hein, comme ce que je tire là. Ça mouline à 878 mètres par seconde. C'est légèrement en surpression je trouve quand même, parce que j'ai quand même un peu de mal à lever la culasse avec ma carabine à moi. Et donc, vitesse 878 mètres par seconde. Par contre, le SD est vraiment pas bon. Hein. 5,6 mètres par seconde, putain, c'est pas terrible. Groupement de 26 mm. Bon, en tout cas, ce genre de charge, je pense que nos forces font largement, en ont largement assez pour tirer ce qu'on appelle du bipède récalcitrant à 600 ou 800 mètres. Voilà, il y en a assez. Donc, c'est intéressant de voir ce que nos militaires tirent. C'est la première fois que je tire ces munes-là. Et franchement, bah c'est pas mal. Ils tirent quand même des munitions qui sont vraiment pas dégueu. Donc voilà, globalement, en conclusion, bah on peut tirer du PPU à pas cher si on développe une charge qui va bien. Maintenant, la prochaine étape, bah on va les tirer sur du gong à 600, 800, 1000 mètres. Et théoriquement, vu les groupements et vu les écarts types, il n'y a pas de raison que ça marche pas, quoi.